Dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne le plus grand lac de lave de la planète. Le 17 janvier 2002, une éruption se déclenche sur les pentes du Nyiragongo. La lave, très fluide, s'écoule rapidement sur une grande distance. Anticiper les risques d'éruption du volcan est devenu un enjeu majeur pour les populations qui vivent au pied du Nyiragongo. Depuis 2003, une équipe de passionnés de volcans apporte son aide aux scientifiques pour mieux connaître ce géant africain. Pendant 10 années, l'équipe va aider les volcanologues à collecter des échantillons, amasser des données et installer du matériel de surveillance au milieu des gaz acides et des vents violents. 10 années pendant lesquelles ces passionnés des forces de la Terre vont nourrir le rêve le plus fou. S'approcher au plus près du lac bouillonnant et plonger leur regard au cœur de cet océan de matière en fusion.